Et coucou, c'est les successeurs de Disney pour une vidéo. Ouais, bah, en même temps, la vidéo est nulle, donc il faut. C'est nul. Pour une vidéo nulle, parce qu'on va. Donc vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Hein. Barrez-vous. C'est qu'on s'est dit, on n'a pas fait de délire depuis longtemps avec des goûters, des ouvertures. Voilà, on a trouvé ça. Moi, je savais pas que ça existait. Donc, voilà. Offert par notre ami Jotis. Il s'agit donc, ça coûte super cher. Hein. Ça coûte 6,50€, quelque chose comme ça. Donc je vous le dis. Il s'agit donc d'un slime Vaiana. Ce n'est plus la Reine des Neiges. Mais il existe aussi en Reine des Neiges. Et il existe aussi. Mais en réponse aussi. Oh, aussi en réponse. Mais je crois que réponse c'est juste marqué princesse. Donc de... Ah ouais. C'est... Et ça existe aussi en emoji. Je vous aurais mis des images. Vous verrez les petits détails en plus grande caméra. Donc on a hâte de l'ouvrir. On est très pressé. En plus c'est à faire soi-même. Et voilà, donc il s'agit donc d'une nouvelle mode. Donc peut-être que vous, quand vous verrez cette vidéo, ça ne sera plus la mode. C'est possible. C'est possible. Et donc voilà, Princesse n'avait même pas entendu parler de cette mode-là. Alors là, Moi, c'est parce que je travaille dans un magasin que j'en avais entendu parler. Il y a beaucoup de trucs. Faites votre propre slime chez vous. Faites votre machin et tout ça. Et donc voilà, on va faire ça avec vous dans cette vidéo un peu goûtée. Pas vraiment. Sans goûter, on va pas le manger, non. Donc voilà, allons voir ça ensemble. Et donc ces remous, regardez, donc vous pouvez voir que les ongles sont assortis à la couleur et vous pourrez voir que sur toutes les autres que vous aurez vues en image, les ongles sont assortis à la couleur. Donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà dessus? Qu'on doit avoir plein de choses dedans. Mais la poudre de slime, les paillettes ou les confettis ajoutent de l'eau jusqu'au trait. Ferme bien le couvercle, secoue rapidement pendant 30 secondes, ouvre le couvercle et attends 5 minutes avant de prendre ta slime. Ah, c'est féminin. Ensuite, gélifiant d'origine naturelle à base d'algues. Oh, le slime peut devenir liquide et dégager une légère odeur si elle n'est ni ouverte ni malaxée pendant plusieurs jours. Alors tu vas la malaxer. Il va falloir malaxer le truc, d'accord. Ajoute juste de l'eau, d'accord. Ajoute une surprise. Ça doit être une belle merde. Collectionne-les tous. Donc c'est un petit bout en plastique à mettre autour du cou, je suppose. Ajoute une surprise. Quel charms vas-tu avoir? Ça s'appelle un charms. Eh ben, je vais te laisser l'ouvrir. C'est ma vidéo. Allez. Mais ben, voilà, t'es obligé de bien rester là. Par contre, c'est pas. C'est bon, t'es bien placé. Vas-y. Et tu peux le faire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Fais-nous ta petite chimie. Super. Désolé, l'éclairage n'est pas au mieux. Mais alors, il n'y a rien d'autre. Si, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a de la poudre. C'est tout petit et ça coûte presque 7 euros. Donc là, il n'y a rien d'intéressant. Non, tout est là-dedans. Donc on va ouvrir le. Donc on a le côté poudre, donc pas à sniffer hein. Petit. Le côté paillettes. Et on a eu Et il est pas, regarde, il est pas moche hein. Il est pas il est beau. Je pensais à un vieux machin. C'est bien genre un autocollant, c'est... Ouais, voilà, c'est pas un autocollant, attendez. Je sais pas si vous le verrez. La mise au point est vachement. Bah, elle est loin. Enfin voilà, vous voyez. Attendez, non, trop près. Non, bah, c'est pas grave, vous imaginez bien le petit pois. Il est très mignon. Donc voilà, par contre, je comprends pas le principe de mettre ça à l'intérieur. Enfin, je vois pas. Est-ce que bah, c'est. Moi non plus. Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas, donc alors, du coup, le sachet de poudre. Donc alors, il faut que tu mettes toute la poudre et qu'on remplisse jusqu'au trait. Allez, toute la poudre. Ouais. Et moi, je vais mettre les paillettes. Il va y en avoir partout, ça va être génial. Ciseaux. Ah si, attends. Ah si, c'est bon. Ah, ça réussit. Ouais. Une petite paillette. Je te laisse. Donc je mets tout, hein. Ouais, vas-y, on est fou. Non, je suis des successeurs. C'est la chimie chez les successeurs. Et. Ouh, merde. Oh, je serais obligé de mettre un bip. Oh, pardon. C'est pas grave. Oh, je t'ai mis des paillettes partout. Alors attends, j'ai mis les petites paillettes. Je rattrape ma... En fait, je pense que les gamins, tu sais, ce qui les amuse le plus, c'est peut-être de le faire eux-mêmes plutôt que le slime. Parce que la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est plus... si vous avez des slimes à la maison, des enfants à la maison, des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, dites-nous si vous en avez et pourquoi les gens aiment autant. Encore le sable magique, tu vois, je peux comprendre. Ouais. C'est... Là, je vois pas trop. Bah, là, je vois pas trop l'intérêt d'acheter ce truc. On met le charm. Allez, je mets l'eau et tu secoueras, d'accord? D'accord. Tu sacres. Attention. On s'accourt. Je vois rien à ce que je fais. Où est le trait? Où est le trait? Au moins, il y a un peu plus haut. Ah, ça. C'est bon? Ouais. Allez. Je te laisse secouer en live. Chic. Attends, je ferme bien d'abord parce que. Hop.
Ah oui, t'as raison, oui. ASMR princesse. Écoutez ce magnifique son. Attends. Ah mais vas-y, continue. Beaucoup. Hors caméra. T'as le droit. En attendant, je vous montre mon magnifique porte-monnaie que j'ai acheté à Disneyland suite à la perte du mien. Et j'ai des paillettes partout, je le vois, c'est moi aussi. Faut secouer combien de temps? 5 minutes. Non, pas secouer 5 minutes. Non, il faut secouer 30 secondes. Et après, on attendra 5 minutes qu'on... Bah, on fera hors caméra, hein, sinon on va pas peur. Bon, on vous... C'est bon. Allez, on vous retrouve dans 5 minutes. Et voilà, voilà, ça après fait une heure de séchage, non, j'ai... Et ça a l'air un peu... Ça a durci. Ça a l'air d'être solide, et c'est marrant, on dirait qu'il y a des grumeaux. Bon, après, je sais pas si... Bah alors... Quoi? C'est quoi ces cochonneries? Mais t'as dit que ça a durci, ça et qu'il y a des grumeaux, c'est pas ma faute. Ah, c'est dégueulasse. Ça a l'air bien dégueu. Il y a le charme au milieu. Alors, dans ta main ou dans la mienne? J'ai peur, j'irai me laver les mains, vas-y. Oui, oui. J'assume tout. Attendez, parce que ça va être comme... Ça va partir d'un coup, ça va faire blop. Vous avez vu le film Flubber? Ça me rappelle un peu ça. Ah, ça descend. Attention. Ça va être froid. Ça va être froid. Ah, c'est froid. Alors... Ah, mais c'est dégueulasse. Mais il ça... y a vraiment des grumeaux, hein. Ouais. Mais non, mais... Il faut les malaxer. Ah non, mais c'est pas assez... C'est pas... Non, y'a... Oh mon dieu. J'otisse, je te maudis. Mais c'est débile en fait ce truc. Mais à quoi ça sert? Mais on l'a pas assez... Attends, plus bas. Plus bas. Attends, il faut pas le faire. Sérieusement, je sais pas... Non, franchement, faut le vivre. C'est... dégueulasse. Attends, arrête. Oh mon dieu! Et ça sert à rien! Non mais c'est débile! Franchement, ou alors on l'a pas. Oh non, mais on dirait un truc extraterrestre, je te jure! Après, peut-être que voilà, on va le remalaxer plus tard, on va avoir des paillettes partout. Et mais par contre, les paillettes sont de bonne qualité! Ah oui, elles tiennent bien, je confirme. Non mais on l'a pas assez. Je n'ai plus qu'une main de valide. On l'a pas assez. On l'a pas assez. Je n'en peux plus! Mais il sort, enfin, machine ton doigt là. Ah ouais, mais je peux pas. Il racle. Je racle. Les paillettes partent. Allez, on va c'est pas grave. Ranger le jouet. Bon, alors. Et on va le laisser encore un peu sécher. N'est-ce pas? Alors, bilan. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Ne dites... brille, c'est trop beau. Ne dites pas qu'on a mal dosé. C'était bien dosé. C'était bien dosé, mais il y a un truc qu'on a chié, je pense. Alors, est-ce qu'il faut... On n'a pas assez secouré. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à ça? Est-ce que c'est un peu comme les pâtes à prout, que c'est une mode, que c'est rigolo de les faire soi-même? Mais... Allez. Mais, alors déjà, ce truc devrait coûter 1,50€, 2€, parce que c'est Disney. Allez, on va dire maximum 3€. Ouais, 3. Mais 7€, non. Alors, on va penser que c'est un plastique très solide. Eh, mais attends, attendez. Attends, ça croûte. Si vous... Ah. Ah non, en fait ça reste pas... Attendez, on va essayer après tout, hein, de toute façon tous ceux qui... Et qu'est-ce qu'on fait après? On en fait une boule et... On en fait une boule, on remet dedans. Ah super. Tu sais, ça sent mauvais, après on remalaxe. Comme un vieux levain. On dirait vraiment... de la merde. Excusez les gros mots, mais alors là... Bon, non mais sérieusement, qu'est-ce qu'en quoi, je veux dire, il y a eu plein de modes. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Une vieille grotte de nez. Donc encore, le sable magique, vous pouvez en faire quelque chose. Les bracelets que vous faisiez en élastique, vous pouvez en offrir. Là, là je vois pas le concept. Hein. Voilà. Celui qui l'a inventé, franchement. N'hésitez pas à nous expliquer en commentaire. En tout ouais, cas, parce que nous on comprend pas. Alors soit on est trop vieux, on a perdu le truc. Ah ouais, pas. Là, ouais, et que ce soit Vaiana ou la Reine des Neiges. Il y a que le collier. La Reine des Neiges, il serait bleu, c'est quoi le prix? Oui, oui, c'est, ouais, ça. C'est ça. Il est bleu. Réponse, il est. Violet. Non, je crois qu'il est un peu plus rose, fille. Là, tu vois, ça va. Là, c'est un peu orange et rose. En tout cas, c'est bien dégueulasse. Ouais. Non, mais en fait, ça collerait pas encore. Après, non, vous... on repassera, hein, parce que... Après, vous allez peut-être nous dire que normalement, c'est pas censé coller, mais... Mais on a peut-être pas... Non, mais on dirait... Ça a vraiment la texture d'une crotte de nez, en fait. Je sais pas si vous... Essayez, chez vous. Voilà.
Donc voilà, on va se laisser là parce que ça va trop loin. Si ce genre de vidéo vous fait quand même rire et vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera de trouver d'autres petits trucs comme ça. Et pareil, si vous voulez le retour dégoûté, si on trouve des trucs en dehors de la Reine des Neiges, ça serait l'occasion. Le retour dégoûté, j'avais compris. Le retour dégoûté, genre, ah, je suis dégoûté. Le retour dégoûté. Donc voilà, allez, on se retrouve bientôt. Salut.